allez bien? Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo où je suis trop content de le faire. Il va en avoir quelques-unes dans ma chaîne. Pas beaucoup, je vais voir si ça vous plaît ou pas. Et là, comme vous pouvez le voir, on n'est pas sur un ordi. Enfin, on est dans mon bureau, mais on est dans la vraie vie. Je vais vous montrer des mangas. Alors, moi, oui, j'adore les mangas. Je fais la collection tout parce que j'adore. Et du coup, on m'en achète, enfin, bref. Comme tout le monde, je veux dire. Et du coup, je vais vous montrer à chaque fois mes achats de manga. À chaque fois, je vais faire des achats, je vais vous les montrer. Et là, ce mois-ci, j'en ai fait quelques-uns. Ah, beaucoup, j'en ai fait quelques-uns. J'ai bien sûr plein de mangas. Vous savez, juste à côté de moi. Je vous montrerai en vif parce que j'ai pas très envie de vous montrer maintenant, je vous montrerai plus tard. Bref, du coup, on commence avec le tome 21 de Dragon Ball qui est juste là. Je l'ai pas encore lu. J'ai fini Dragon Ball, super, mais j'ai pas lu ce tome là. Il faut que je le lise. Du coup, voilà, c'est de l'histoire. Enfin, je veux dire, ça va parler de l'histoire, mais comment dire. Genre, ça va pas faire des combats genre extra, genre juste on va voir Trunks et Son Goten se battre contre des mecs. L'armée du ruban rouge peut-être, je sais pas. Mais genre ça va être trop nul, je le sens. Donc c'est pour ça que je me presse pas de le lire. Voilà. Ensuite, on a eu, enfin j'ai eu... Et mince, c'est pas grave. J'ai eu 3 tomes de One Piece. 3 ou 4. Non. Non, j'en ai eu 2. Non, j'ai eu 2 tomes de One Piece. Qu'est-ce que je suis bête. Bon, enfin bref. J'ai eu 2 tomes de One Piece. Je les ai pris ce week-end d'ailleurs. Le tome 72 et 71. Je sais pas si ça va être bien à partir de ce moment. Je l'espère. Mais voilà. Je les ai pris et je me languis de les lire. Là, juste un truc qui me hâte pas de les lire, c'est ça. La vérité. Luffy avec la moustache, Zoro, Sanji, ça je sais pas qui c'est, et ça non plus. Et vraiment, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais bon. Et faut savoir que moi, j'en suis à peine à l'arc. Des îles des hommes poissons. Genre, attendez. Bref, du coup, le tome où j'en suis, c'est ce tome-là. C'est le tome 65. Donc ouais, je suis un petit peu loin. Je sais même pas si c'est lui que j'ai fini. Il me semble que oui. Oui, c'est ça. Même peut-être que le 66, je l'ai peut-être fini. Enfin bref, en tout cas, c'est une dinguerie. Clairement. C'est une vraie dinguerie One Piece. C'est pour moi l'un des meilleurs mangas qui puisse exister sur Terre. Pour le moment. Après en animé, c'est différent. Enfin bref. L'animé pour moi, je sais pas encore. Et pour l'instant, c'est Naruto. Mais je n'apprécie pas. Bref, voilà les deux tomes de One Piece que je me suis pris. Et là, ensuite, je me suis pris un dernier tome de One Piece. C'est la première fois de ma vie que j'ai un tome comme ça. Un tome brillant, le tome 106. Alors ouais, enfin un gros bon, clairement. J'ai pas envie d'ouvrir les pages, même si j'ai déjà fait. Je vais le faire, mais je vais... Oula, je vais regarder. Bref. En tout cas, vous pouvez le voir, c'est bien brillant. C'est de partout brillant. Bon, malheureusement, je sais pas pourquoi ma vidéo a décidé de mettre la lumière. Donc, je sais pas si vous voyez bien, mais je pense qu'avec la lumière, vous voyez mieux que sans lumière. Vous voyez les petits reflets là. Même là, ça y est. Enfin, bref, vraiment. Oh, j'ai même ça. C'est genre un poster. Vraiment trop bien. Derrière, mais bon. Bref, du coup, le tome 106, je suis trop content de l'avoir. S'il vous plaît, conseillez-moi, enfin,
dites-moi s'il y a des tomes brillants de One Piece, combien il y en a? Genre, je veux tous les prendre en fait, parce que c'est trop stylé. Donc, si jamais vous savez combien il y en a, ben, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir. Dis-le moi dans l'espace commentaire, bien sûr. Ça me ferait trop plaisir. Et voilà. En tout cas, on est bon. On a fait le tour de mes achats manga. De ce mois-ci. Je pense que je vais plus en faire là. Clairement. Je pense que c'était les 4 derniers, on va dire. Non, oui, les 4 derniers. Je pense parce que j'ai un gros projet. J'ai un très 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 gros projet cet été. Pendant la. Aïe, pendant les vacances. Je vais acheter plus de 150 € de manga. C'est trop bien. Bref, les gars, je vous dis à la prochaine. Je vais essayer de vous mettre des petits extraits, de mes mangas au complet. Sans trop vous montrer non plus. Je vais voir, je vais essayer. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Likez, commentez, partagez. Et activez la cloche de notification et vous abonner bien sûr. C'est obligatoire ça. Et voilà. Allez. Ciao ciao.